Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons commencer par un nouveau chapitre. C'est le chapitre 27, la numération, les nombres inférieurs à 99 999. Ouvrez vos livres à la page 84 et suivez avec moi. Lisez avec moi la question. Numéro 1, compte de 1000 en 1000. C'est-à-dire, il faut ajouter 1 aux unités de 1000. Ici, on a unité dizaine, centaine. C'est la classe des unités simples. Puis, unité dizaine, 2000. C'est la classe 2000. C'est le nombre 46, 1000. Il faut ajouter 1 aux unités de 1000 ou bien au nombre de 1000. Où est le nombre de 1000 ici? C'est 46. 46 plus 1, c'est combien? C'est 47 000. Maintenant, où est le nombre de 1000 ici? C'est 47. Après 47, c'est 48 000. Après 48 000, 48 et ajouter 1, c'est 49 000. Maintenant, où est le nombre de 1000? C'est 49. Après 49, c'est 50 000. On continue. Après 50, 50 et ajouter 1, c'est 51 000. Après 51 000, 52 000. Enfin, après 52, 52 plus 1, c'est 53. 53 quoi? 53 000. Numéro 2, compte de 5 000 en 5 000. Il faut ajouter 5 aux unités de 1000. Le premier nombre, c'est unité dizaine centaine. C'est la classe des unités simples. Unité dizaine de 1000. C'est la classe 2000. C'est le nombre 55 000. Il faut ajouter 5 aux unités de 1000. Bien sûr, tout d'abord, il faut chercher le nombre de 1000. C'est quoi? C'est 55. 55 plus 5, c'est combien? Après 55, 56, 57, 58, 59, 60. Donc, c'est 60 000. Où est le nombre de 1000? C'est 60. 60 plus 5. Après 60, 61, 62, 63, 64, 65. Donc c'est 65 000. On continue après 65. Ajoutez 5. Ça fait combien? Après 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 000. Après 70, plus 5, c'est 75 000. Après 75, ajoutez 5, que devient le nombre? Après 75, 76, 77, 78, 79 et 80. Donc c'est 80 000. On continue. Après 80, 80 plus 5, c'est combien? C'est 85 000. Enfin, où est le nombre de 1000? C'est 85. Après 85, ajoutez 5. Que devient le nombre? 86, 87, 88, 89 et 90. 90 000. À la prochaine fois, mes élèves. Merci pour votre attention. Au revoir.